Contes et légendes des héros de la mythologie, l'histoire de Philémon et Baucis, deuxième partie. Les vieillards firent sans doute le plus grand festin de leur vie. Mais si Jupiter et Mercure avaient voulu récompenser l'hospitalité du couple, ils tenaient à punir l'ingratitude de ceux qui la leur avaient refusée. Une fois le repas achevé, ils entraînèrent dans la nuit Philémon et Baucis hors de la cabane. Dociles et tremblants, ceux-ci se tenaient par la main, comme s'ils avaient peur de se perdre. La pluie avait cessé, ou plutôt, elle ne tombait plus sur les pentes de la colline qu'ils gravissaient aux quatre. En revanche, on eût dit qu'elle redoublait dans la plaine qu'ils avaient quittée. De son index tendu vers les nuées, Jupiter fit jaillir les éclairs, le tonnerre gronda, et un véritable déluge s'abattit sur le village. Serrés l'un contre l'autre, Philémon et Baucis s'interrogeaient sur les sorts que les dieux leur réservaient. Quand l'aube se leva, il ne resta plus rien du bourg. Et une fois que les eaux se furent retirées, seul un toit de chaume émergea. « Notre cabane !» s'écrièrent Philémon et Baucis. « Qu'elle soit un temple désormais !» décréta Jupiter. Aussitôt, devant les yeux ébahis des vieillards, la pauvre masure se transforma en un magnifique monument aux colonnes de marbre. « À présent, leur dit Jupiter, je veux vous remercier. Exprimez vos désirs, ils seront exaucés. » Perplexes, Philémon et Baucis se consultèrent du regard. « Puissant Dieu, répondit enfin Philémon, laisse-nous devenir les gardiens de ce temple, afin que nous puissions longtemps t'honorer. » Mercure ne put s'empêcher de railler sans méchanceté. « Longtemps ? Mais combien d'années espères-tu vivre encore ?»« Eh bien, grand Jupiter, » ajouta alors la vieille Baucis, « permets-moi d'ajouter un vœu à celui de mon époux. J'aimerais vivre le plus de temps possible encore à ses côtés. » Jupiter réfléchit. Il cherchait le subterfuge qui lui permettrait d'accéder à l'étrange demande de ces vieilles gens. Seuls les dieux, et parfois les héros, pouvaient prétendre à l'immortalité. « Quoi ? » s'étonnait Mercure. « Vous n'êtes donc pas lassés l'un de l'autre ?»« Non, » répondit Baucis en souriant. « Quand nous nous sommes connus et aimés, nous n'étions encore que des enfants. Depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. » « Et durant toutes ces années, » demanda Jupiter, « n'avez-vous pas éprouvé l'envie de vous séparer ?»« À la suite d'une dispute. » »« Non, » avoua Philémon. « La discorde, cette divinité malfaisante, nous a toujours épargnés. » Soudain, Jupiter comprit pourquoi ce couple attendrissant les avait si spontanément hébergés. Ils s'aimaient. C'est peut-être là le meilleur ferment de l'hospitalité. Quand on ne peut pas donner d'amour à ses proches, comment pourrait-on en donner à des inconnus ? D'une seule et même voix, les vieillards achevèrent. Notre plus cher désir serait de mourir au même moment. Mercure eut vers son père un regard amusé. Pour une fois, de simples humains donnaient aux dieux une leçon d'humilité. Jupiter, en effet, se querellait fréquemment avec Junon, son épouse. Il est vrai qu'il n'était guère fidèle. Qu'il en soit ainsi, décréta Jupiter, aussi ému qu'impressionné. Je m'engage, Philémon et Baucis, à exaucer vos vœux. Il y eut un éclair éblouissant. Quand les deux vieillards purent enfin ouvrir les yeux, ils étaient seuls sur la colline. Encore bouleversés par les récents événements, ils hésitèrent longtemps avant de regagner la plaine où se dressait le temple qui serait leur nouvelle demeure. Et quand enfin ils s'en approchèrent, ils eurent la surprise d'être accueillis par un volatile tout joyeux qui avançait vers eux en se dandinant. Dans sa grande mansuétude, Jupiter avait épargné Loi. Les années s'écoulèrent. Fidèles à leurs paroles comme à leur amour, Philémon et Baucis restèrent jusqu'au bout les gardiens du temple de Jupiter. Les pèlerins qui revenaient chaque année constataient, étonnés, que le temps n'avait aucune emprise sur ces vieillards, accueillants et généreux. Mais comme Philémon et Baucis n'étaient que des humains, il fallut que Jupiter leur donne un terme à leur vie. Un jour,
Alors qu'ils se tenaient par la main près du temple, ils constatèrent que leur corps durcissait en se pétrifiant. Bientôt, ils furent incapables de bouger. Cela n'enlevait rien à leur sérénité. « Je crois que c'est la fin, » dit Philémon. « Baucis, je t'aime. » « C'est la fin, » répondit Baucis. « Philémon, je t'ai toujours aimé. » Ce furent les dernières paroles qu'ils échangèrent. Peu à peu, leur corps se couvrit d'écorce. Leur visage se transforma en frondaison. Leurs mains devinrent des branches et leurs doigts des rameaux. Et puisqu'ils se tenaient tout près l'un de l'autre, leurs feuillages s'enlacèrent dans la même tendre verdeur. Ils devinrent si hauts et si beaux que bientôt, leurs ombres confondues recouvrirent le temple. Combien de siècles vécurent-ils ainsi, côte à côte? Nul ne le sait. Mais avec le temple lui-même se dégrada et finit par tomber en ruine. Aujourd'hui encore, dans ce qui fut la Phrygie, il paraît qu'on peut apercevoir un très vieux tilleul voisinant un chêne millénaire. Voyageur, si un jour tu passes par là et si tu aperçois ces deux arbres non loin de quelques pierres, songe que la végétation est comme l'hospitalité. Elle se cultive et se renouvelle. Et souviens-toi de la légende de Philémon et Baucis.